Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement jouer à Clash Royale, on va se faire un petit pack opening, deux petites attaques et après on ouvrira le coffre à couronne, c'est parti! Voilà, donc du coup on est devant notre petit pack opening. Ah, vous y avez cru, hein? Vous avez cru que j'étais punch, hein? Ah, vous avez cru que ouais, youpi dans tous les sens là, ouais, youpi machin. Mais pas du tout, c'était pour délirer en fait. Ah, t'es fou toi, t'es. Mais je déconne, mon gars, je déconne, t'as eu peur, hein? Allez, à vous. Ouais, c'est parti, on va voir le coffre d'argent, c'est parti, hein? Chaud, chaud. Ouais, je sais pas pourquoi, je suis fatigué encore plus que les autres jours, mais je suis encore plus punch que. C'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Voilà, 50 d'or, cabane de barbares, on s'en fout. Eh oui, canon, on s'en fout un petit peu aussi. Étant donné que les canons, c'est un bâtiment défensif. Et les bâtiments défensifs, je n'y arrive pas du tout. Hein, c'est. Je sais pas pourquoi je n'y arrive pas. Je dois avoir la maladie des bâtiments défensifs. T'as rien compris, c'est normal. Alors, 48 d'or. Ça fait plaisir. Un cheval chat de cochon. Ça fait plaisir. 8 bombardiers. Ça fait plaisir. Ouais, non, mais t'as pas un autre registre, là, parce que, oui, ça fait plaisir, non, ça fait pas plaisir, oui, ça fait... Non, on s'en fout, hein, bon, on va avoir un petit peu d'explication. Effectivement, donc 46 d'or, bon, c'est un peu mieux 48, mais 46 d'or, c'est déjà pas mal, ça fait augmenter en or, du coup, c'est plutôt délirant. 3 électrocutions, non. Donc, coffre gratuit. Ouais, les gens royal, hein, ouais, youpi, ouais, il y a un moment... Ouais, non, c'est pas si bien que ça, finalement, tu vois. Bon, alors, 64 d'or, ça fait plaisir. Et dire qu'à un moment, j'ai utilisé le géant royal. Oh, la honte, quoi, la honte. Ah, la honte. Ah, tu me le redis même pas, c'est la honte. Donc, 2 gemmes. T'as eu combien, déjà 60... Non, 64, quoi, hein, c'est ça, hein. Ouais, je crois que j'ai eu 64 d'or. 2 gemmes, ça fait plaisir. Un géant. Le géant, c'est limite une source sûre quand t'as pas le molosse de lave. Voilà. Moi, j'ai le molosse de lave, donc le géant, je m'en fous. Et 8 esprits de feu. Ils sont mignons, ça va. C'est le mec, il y a des flammes de partout, ils sont mignons. Tu vois, c'est le mec un petit peu pyromane, tu vois. Donc du coup, alors, coffret gratuit, c'est parti. 64 d'or, ah, comme tout à l'heure, enfin comme juste avant, tu sais, on est 64 d'or, ça fait plaisir. Donc du coup, ouais, non, une fournaise, moi je m'en fous, moi je veux une princesse, moi. Ah, j'y ai cru, je sais pas pourquoi. Donc Tesla, franchement, la Tesla, c'est encore un bâtiment défensif, tu vois. C'est comme la fournaise, c'est un bâtiment défensif, donc ça défend. Mais moi, je défends pas avec moi. Et je n'attaque pas non plus, parce que c'est pas possible d'attaquer avec. Donc du coup, bah forcément, c'est compliqué, tu vois. Parce que moi, quand j'essaye de défendre avec, tu vois, et bah ça défend pas, moi, je sais pas pourquoi ça bug. Non, c'est juste que j'arrive pas à la placer, je sais pas, je fais n'importe quoi. Enfin bon, c'est... Voilà, j'ai testé la tour de l'enfer, c'était une catastrophe, enfin bon... J'ai testé un peu tous les bâtiments défensifs, quoi, mais c'était nul. Donc, du coup, ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va ouvrir le coffre d'or, bah, tout simplement. Bah, ouais, mais qu'est-ce que je dis, moi? Alors, 148 d'or, c'est déjà pas mal. Un extracteur d'élixir. Ouais, non, franchement, j'ai envie de te dire extracteur d'élixir. C'est tellement une douille, l'extracteur d'élixir. Tu vois, les gens, ils croient que c'est bien, mais finalement, c'est une douille. Parce que ça coûte 5 d'élixir, et puis ça va te rapporter, je sais pas, moi. En 50, en même pas une, ouais, on va dire en une minute et quelques, ça te rapporte genre 5, enfin 6, 7 élixirs, tu vois, un truc comme ça, environ 7 élixirs, je crois. C'est nul. Bon, alors, c'est 9 chevaliers. Les chevaliers, c'est quand même une source sûre aussi, un petit peu, pour faire tank. Ils sont plutôt pas mal pour le prix qu'ils sont. Voilà, bon, c'est vrai que dès que t'arrives à un haut niveau, j'ai envie de te dire, c'est un peu la honte, hein. Si t'as ça dans ton deck, c'est la honte, mon deck. Mais ouais, au début ça passe bien, quoi. En tant que petit joueur, ça passe bien. Non, je pense qu'on devrait avoir du mal à l'utiliser en étant haut niveau. Ah, franchement, et attends. En étant haut niveau, mon gars, bah, utilise des grosses troupes, quoi, comme le molosse de lave, le géant, le golem de pierre. Non, jure, un golem de pierre, tiens. Ouais, un golem, c'est... Ah, tiens, un golem. Est-ce que c'est forcément de pierre, un golem? Enfin, est-ce que quand tu dis golem, tu penses à golem de pierre? Est-ce que tu... Non. Je sais pas du tout, je saurais pas te dire. Ouais, non, je sais pas, moi j'ai pas beaucoup joué de jeux où il y avait des golems, tu vois, donc je sais pas si un golem c'est forcément de pierre. Ou alors sinon peut-être que c'est peut-être vivant, enfin tu sais, c'est peut-être un être vivant, le golem. Tu sais, avec de la peau et tout. Ah, je sais pas du tout, tu vois, c'est un truc de fou, je suis nul. Voilà, boule de feu, ça franchement j'ai envie de te dire, ça reste quand même une source.
un peu vague. Parce que bon, il suffit que tu te loupes un petit peu et puis tu peux vite devenir non ferpé. Ah, on va pas se le cacher. Hein, parce que les boules de feu sur les tours, bon, c'est pas trop mon kiff. Mais c'est pas mal la boule de feu. J'aimerais bien l'utiliser, mais pour l'instant, je sais pas, tu vois. Je me dis, les flèches, elles sont plus rapides, plus efficaces sur les hordes de gargouilles. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai encore les flèches. Oui, j'ai encore les flèches, oui. Donc, bombardier. Ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de la balle. Non, je vous ai peut-être pas dit à ce point-là, mais c'est de la balle. C'est de la... C'est vraiment... C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, le bombardier, c'est un truc de fou. Bon, alors, du coup, moi, je vous dis à tout de suite pour une attaque. C'est parti. Eh, c'est parti, on est contre Jasprit. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Pourquoi il rigole, lui? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il veut, mon gars? J'ai fait du karaté, mon petit. Bon, allez, c'est parti. Bon, ça va être très simple, hein. D'accord, je vois pourquoi il rigole, le petit. Hein? Je vois pourquoi il rigole. Bon, ça va être très simple, hein, on va pas se compliquer la vie, hein, on va faire ça. Boum! T'as le démon, là, hein? T'as le seum, là, hein? On va faire ça aussi. Boum, désolé. Ah, je vous rends désolé. J'ai pas eu le temps de réagir. Je vous rends désolé, j'ai pas fait exprès. Donc, est-ce qu'il a les flèches? On va peut-être tenter de voir s'il a les flèches. Juste comme ça. Non, non. Oh, c'est bon, ça passe. Oh, mais attends, vite. On tue. Oui. Non, il a les flèches! Ah! Oh, dommage. T'as vu les dégâts qu'il m'a fait quand même, hein? Avec son... Comment ça s'appelle déjà? Putain, on l'a vu juste avant, là, géant royal. Avec son géant royal, il m'a fait du dégât. Mais d'ailleurs, j'y pense. C'est comme une tour de l'enfer, du coup. Du coup, je vais avoir le seum, là. Qu'est-ce que tu fais, mon gars? T'as vu les dégâts que tu m'as fait et toi, tu t'énerves? Mais t'es sérieux, mon gars? Mais t'es sérieux, mon gars? C'est le mec qui s'énerve. Oh, t'as vu les dégâts qu'il fait, quand même? Truc de malade. Bon, ça va être très simple, on va faire ça. Hop. Et t'as le démon, t'as le seum, t'as le démon, t'as le seum, t'as le démon, t'as le seum, t'as le seum, t'as le démon, t'as le seum, t'as le démon. Regardez les dégâts que lui fait. Ouais, ça passe. Mais carrément, mon gars. Ça, c'est bon, ça. Ça, non, ça, c'est de la balle. Non, non, on va pas se... Oh, attends, qu'est-ce que tu me fais, toi? Il est content. Regardez comment il pleure, il est content. Ah, mais attends qu'on arrive dans un minute spécial, mon petit, hein. Ton, je sais pas quoi, là, sorcier, là. Comment ça va déjà? Attends, je vais te le dire. Non, c'est... C'est le truc autour de l'enfer volant, le dragon de l'enfer, là. Ah, tu vas voir, il va plus rien valoir, mon petit. Ah non, mais si t'as une tour de l'enfer aussi, bah non, bah là, je suis mort, là. Hein. Oh là là. Bon, bah, moi, je vous dis adieu, hein, voilà. Bon débarras aussi, hein. Ah oui, les flèches. Oh, les flèches. Oh, mais tire les flèches. Oh, t'as pas tiré les flèches. Il a pas tiré les flèches. Il a pas tiré les flèches. Nananananere. Oh, vas-y, maximum de dégâts, s'il vous plaît. Allez, on lui casse la tour, là, on est des fous. On est des fous ou pas? Ouais, on lui a pas vraiment cassé la tour, mais on lui a fait pas mal de dégâts. C'est déjà pas mal, non? Moi, j'ai envie de te dire, c'est quand même déjà... C'est déjà le kiff, quand même. On va peut-être faire ça, quand même. Ouais, ça passe. Ouais, nickel. On va garder... T'inquiète. On va garder le... la horde de gargouille, t'inquiète, on va la garder, on va envoyer ça, et puis bah c'est tout, je pense. Attends, on va peut-être prendre les flèches. Oh, regardez le géant royal qui prend net dans sa teuté. ça veut rien dire. Bon, oh non, oh, j'avais pas vu. T'as vu, regarde, en haut à droite, le petit œil, mon gars, en haut à droite, t'as vu? Oui, bah c'est bon, j'ai vu, t'inquiète. Oh, calme-toi, mon gars, t'es excité ou quoi? Oui, donc du coup, ouais, petit œil là-haut, là. Je comprends pas pourquoi. J'ai l'impression qu'on nous regarde. Ouais, non, je sais pas à quoi ça correspond, c'est bizarre. Bon, en attendant, je vais sûrement vous dire à tout de suite pour une deuxième attaque. T'es parti. Allez, c'est parti, on est contre Miguel le boss. Ça, c'est bon, ça. Je déconne. Et donc, du coup, on va envoyer le Mozdov. Et bah voilà, on va pouvoir discuter. Oh non, mais t'es mort, tu fais... Dès le début, le mec. Il envoie à mort toutes ses troupes et tout, dès le début, le mec. Ah non, ça, par contre, c'est pas drôle, ça. Oh, comment c'est pas drôle. Mais mon gars. Tu veux jouer à ça, mon gars. Vraiment, tu veux jouer à ça. Bon, vous savez quoi? Ça va être très simple. Je vais vous dire un petit peu pourquoi j'ai choisi l'attaque d'avant, étant donné que l'attaque d'avant, j'ai perdu. Eh ouais, je pense que vous avez bien vu. Je me suis pris une petite dérouillée. Juste que je trouvais que l'attaque d'avant était plutôt sympathique. Hein, on va pas se le cacher, était assez sympa.
Moi, je le trouvais bien. J'étais bien dans cette attaque. On a découvert. On a vu un petit peu le... Comment ça s'appelle ? Le... Dragon de l'Enfer. Ce qui était plutôt assez sympa. On va pas se cacher non plus, hein. Ouais, je trouvais ça assez kiffant. Donc, du coup, bah, je me suis dit, pourquoi pas laisser la petite attaque tranquillo. Ça sera pas mal, déjà. Ça sera déjà pas mal. Et donc, du coup, bah, voilà. On a pu kiffer l'attaque un petit peu. Ouh, toi, tu fais du dégât, s'il te plaît. Mais non, c'est quoi ce canon, là? C'est même pas un canon, machin. C'est... Bah, je sais pas ce que c'est, mais... c'est un mur, le machin. C'est un mur de béton. Ah oui, attends, il faut que j'attaque de gauche, moi. Bah ouais, c'est gauche, là, c'est des racistes, là. ça... Non, je fais pas de politique, t'inquiète, j'y connais rien. Bon, alors, du coup... Toi, t'es mort, et puis toi, t'es mort. Ah, t'avais pas vu que j'avais des flèches, hein? Bah ouais, t'as le déroule, là, regarde, t'as le seum. Tu comptais sur les flèches pour gagner? Eh bah, c'est mort, mon gars. Et regarde, ton truc, il sert à rien. Zoup. Oh, 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 oh. Non. Mais c'est quoi tes vieilles flèches, mon gars? T'es niveau 9, mon gars, t'es niveau 9, t'es quoi tes flèches? C'est quoi ces flèches toutes? Oh, mais maintenant que je le sais. Alors, maintenant que je le sais, mon gars. Oh, mais oh, tu vas te prendre une dérouillée. Ah, t'es mort. C'est très simple, on va faire ça. Puis c'est nickel, regarde-moi ça. Ah, ça servait à quoi tes flèches? Ah, mais non, t'as compris que ça servait plus à rien tes flèches, hein. Oh là là, c'est ces flèches, c'est comme s'ils me lançaient un sort de zap, ça sert à rien. Voilà, enfin bon. Enfin si, ça sert un petit peu, parce que ça perd le... Mais du coup, les flèches ne servent moins qu'avant, tu vois. T'as vu, le sort de zap, c'est pareil que les flèches, mon gars. Il est obligé d'utiliser les deux pour pouvoir me défoncer, mais... Oh là là, c'est un truc de fou. Bon alors, du coup, ça va être très simple. On va envoyer... Oh la Valkyrie là-haut, là, qui fait du taf. Ça, c'est bon, on va envoyer ça. Je pense que là, on est plutôt bien, non? Ouais? Ça passe! Mais easy, mon gars! Easy que ça passe! Ouais, bon, j'arrête. Alors, c'est quoi, cette fois-ci, on va prendre les flèches. Oh, non, ça fait mal. Ah, bah, on va prendre les flèches, quand même. On va prendre les flèches, on va faire ça. Et puis, on va peut-être envoyer ça. Allez hop, on envoie, vite, avant qu'il gagne, mais non, qu'est-ce que tu fais toi? Ok, nickel, on envoie ça, mais non gros, ça sert à rien ton truc, hein. Ah, c'est bon ça, il va attendre que ça casse ou pas? Eh bah trop tard mon gars, trop tard. Enfin j'allais dire que, tu sais, il va attendre que mon molosse de lave meure et tout, tu sais. Alors franchement, ce game a été épique, oh là là. Imagine là, il y a un coffre épique qui arrive, tu vois. Oh, elle était épique. Et là, boum, le coffre épique qui arrive. Ah bah, c'est le cas de le dire. Ah, ça va être marrant. Donc du coup, moi, je vous dis à tout de suite pour le coffre à couronne. T'es parti. Allez, c'est parti, on va ouvrir le petit coffre à couronne. On va essayer de se calmer un petit peu. Parce que bon, à la fin d'une vidéo, tu vois, il faut se calmer, tu vois. Parce que sinon, après, tu pars comme ça, t'es complètement fou. C'est vraiment... Bon, alors... 433 d'or, ça franchement, à chaque fois que je vois ce chiffre, tu vois, je me dis, je suis bientôt millionnaire ou ça se passe comment? 433, c'est quand même assez énorme, hein. C'est, les coffres de la couronne, c'est assez, c'est pas rien, tu vois. Donc, 2 gemmes, ça va, ça fait plaisir. 4 archers, franchement, 4 archers, on va pas se cacher. J'ai du mal à ouvrir les yeux parce que je suis fatigué. Voilà ce que c'est 4 archers. Bon, ouais, 4 archers, c'est de la balle. Hein. Franchement, je suis en train d'essayer de tu vois, je suis un petit peu en mode, je sais pas quoi, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Tu sais, quelqu'un qui demande à chaque fois, qui demande des trucs à tout le monde, tu vois. Et donc, du coup, je demande plein d'archers comme ça pour essayer de l'améliorer niveau 11. Il faut que j'économise 20 000 de pièces. Vous imaginez? C'est énorme. Vous imaginez, après, elle sera niveau 11. Elles seront niveau 11 sur 13. C'est énorme. Après, il restera que 2 niveaux pour les finir. Niveau 11, quoi. C'est... Moi, ça m'hallucine, quoi. J'adore. Je kiffe le truc, quoi. Donc, 8 gobelins. Ça va. Franchement, c'est plutôt le kiff. Moi, j'aime bien 8 gobelins. Bon, j'utilise pas en ce moment. Parce que, bon, j'ai un peu abandonné. Voilà. Maintenant, j'utilise vraiment que le deck que j'ai, quoi. Mais la honte, 40 mortiers, mon appétit. T'as cru que j'étais c'est qui utilisait mort? T'as cru que j'étais militaire, moi? T'as cru que j'étais militaire? Mais t'es ouf, toi. Ouais, j'aurais pu dire des quais. Oh, papa, ça c'est bon, ça. Ça c'est bon. Ça, tu fais plaisir. Ça, tu fais plaisir. Ça fait plaisir.
Bon, oui, j'aurais pu dire aussi quelqu'un d'autre, là. Tu sais, ceux qui sont en guerre, je sais pas qui, là. Donc, moi, je vous laisse sur ce. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vais m'évanouir si je continue, donc, vaut mieux que je m'arrête. Non, je déconne. C'est bon, je déconne. Bon, en attendant, je vais vous laisser sur ce. Je vais vous dire à une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis, n'oubliez pas, restez cool.